Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence des sociétés historiques de Montréal, de Québec et des éditions du Septentrion. Certains d'entre vous me reconnaissent peut-être, Alex Tremblay-Lamarche, président de la Société historique de Québec et éditeur au Septentrion. En mon nom et au nom en fait des trois organismes, ben on vous souhaite la bienvenue à cette conférence d'Alexandre Dumas sur le droit de vote des femmes vu par les hommes. Parce que comme on va se le rendre compte, les femmes effectivement ont milité pour le droit de vote des femmes. C'est une histoire qui est connue avec notamment Thérèse Cassegrain. Mais les hommes n'ont pas toujours eu des propos très élégants sur le droit de vote des femmes, mais les arguments qu'ils ont invoqués pour ne pas donner le droit de vote aux femmes, disons, ont dans certains cas mal vieilli. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alex, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et je vous présente un peu notre invité avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Alexandre Dumas est docteur en histoire. Il est spécialiste de l'histoire politique du 20e siècle. Après avoir rédigé un mémoire de maîtrise sur l'abbé Pierre Gravel et avoir exploré justement les différents courants politiques qu'il peut avoir à cette époque, notamment comment est-ce qu'on peut être à la fois très syndicaliste et fasciste, quelque chose qui aujourd'hui pourrait sembler un peu surprenant. Il s'est dirigé vers le doctorat où il a fait une brillante thèse sur les relations entre l'Église et l'État qui ont abouti dans les deux cas à la publication d'un livre, dans le premier cas chez cette Septentrion sur l'abbé Pierre Gravel et dans le deuxième cas chez Miguel Squins pour l'Église et l'État de Taschereau à Duplessis. Il poursuit depuis des recherches en histoire politique tout en étant chargé de cours dans le réseau de l'Université du Québec. Et ce soir, on a le plaisir de le recevoir pour cette conférence sur le droit de vote des femmes. Et donc, question qu'on aime bien poser à nos invités pour commencer, c'est comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet? Et vous l'avez dit, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les relations entre l'Église et l'État au Québec, et donc indirectement sur l'influence de la religion sur la politique, ce qui m'a amené à m'intéresser à la question du vote des femmes, puisqu'on a souvent dit que c'était l'Église, la religion qui était responsable du retard du Québec dans l'adoption du droit de vote des femmes. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé au sujet, parce que en lisant autant les échanges entre les évêques et les politiciens que les débats parlementaires comme tels, je me suis rendu compte que l'explication était beaucoup plus complexe que simplement l'influence de la religion. Oui, parce qu'on se rend compte que la politique y joue pour beaucoup. Et pourquoi parler en fait des hommes plutôt que des femmes? Parce que traditionnellement, quand on parle de l'histoire du droit de vote des femmes, on parle du long combat des femmes pour l'obtention du suffrage féminin. Puis on parle assez peu des hommes. Effectivement, mais justement, d'après moi, c'était l'angle mort à couvrir. Les exploits des militantes suffragettes, des militantes féministes au Québec sont déjà quand même assez connus. Il y a beaucoup d'historiennes qui se sont intéressées au sujet. Par contre, la position des hommes en tant que telle est, à mon avis, beaucoup moins connue, raison pour laquelle on peut la résumer aussi simplement que c'est l'influence de l'Église. Donc, c'est justement parce que je pense qu'il y a des nuances à apporter que je me suis intéressé plus particulièrement au point de vue des hommes sur la question. Et si on résume succinctement, en fait, ce dont on va aborder ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grandes lignes pour nous donner une meilleure idée de la conférence de la soirée? Alors, on va commencer par résumer très brièvement l'adoption du vote des femmes dans les différents pays et les facteurs qui l'ont accéléré ou retardé. On va ensuite s'intéresser au débat canadien, donc l'adoption du vote des femmes dans les différentes provinces, et aussi les débats au Parlement fédéral, ce qui va nous permettre de faire une comparaison. On va finalement observer les débats politiques qui ont eu lieu au Québec pour voir les arguments qui ont été apportés pour et contre et comment se sont déroulés les débats. Qu'est-ce qui fait qu'au final, ça a pris autant d'années avant qu'on accorde le droit de vote aux femmes? Bien entendu, c'est l'Église, hein? Évidemment.
On va voir que c'est pas mal plus compliqué que ça. Et donc, quels sont les facteurs qui expliquent le retard de l'adoption du droit de vote des femmes dans le monde? Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ailleurs, le Québec n'est pas le seul endroit où le droit de vote des femmes va tarder. Et dans d'autres pays, on va voir qu'il va y avoir des forces en présence qui vont tenter de le freiner. Quels sont ces facteurs-là qui expliquent que le droit de vote des femmes va arriver plus tard à certains endroits? Alors, le premier facteur, qui est probablement le plus important, c'est le conservatisme social, qui, de manière générale, là, s'oppose à toute forme de changement. Ici, ça s'est exprimé principalement à travers le nationalisme, donc le refus d'imiter les autres provinces canadiennes, mais aussi le reste du monde anglo-saxon. Alors, le vote a été adopté très rapidement au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans une période assez rapprochée, raison pour laquelle on va considérer que c'est une idée anglo-saxonne à laquelle, justement, on doit résister parce qu'évidemment, ici, c'est une tradition canadienne-française catholique. Mais c'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Donc, ce refus d'imiter les grandes démocraties occidentales, en quelque sorte. Et il y a également une part de la gauche. Oui, effectivement. En fait, les partis de gauche, généralement, on considère les femmes comme un électorat potentiellement beaucoup plus conservateur. Aujourd'hui, on pourrait penser l'inverse, mais c'est vrai qu'à l'époque, les femmes ont tendance à être plus conservatrices que les hommes. Et c'est l'impression qu'on a dans les partis de gauche, c'est la raison pour laquelle les partis de gauche, en général, vont s'opposer au vote des femmes. On a peur d'ajouter un électorat qui maintiendrait l'adversaire au pouvoir là, indéfiniment. Mais en contrepartie, il y a également une influence religieuse qui dit que ben il faut pas donner le droit de vote aux femmes et qui veulent les garder à la maison, alors que bon ben les partis de gauche semblent dire que vaut mieux laisser les femmes à la maison pour ne pas qu'elles votent pour les partis catholiques. Oui, c'est vrai, ça peut sembler assez contradictoire, mais c'est dans les sociétés catholiques principalement, les femmes sont considérées comme beaucoup plus justement catholiques que leurs maris. Et l'Église s'appuie beaucoup sur les femmes pour maintenir vivantes les valeurs catholiques, les organisations catholiques, tandis que les hommes s'éloignent de plus en plus de l'Église, des valeurs traditionnelles, en se rapprochant, par exemple, des organisations marxistes, des syndicats et de toutes les idées qui viennent avec. Donc, l'idée que la religion, c'est l'opium du peuple. Et c'est la raison pour laquelle on a une volonté vraiment de garder les femmes à la maison pour garder la structure, la tradition catholique bien vivante. Et ben, vous identifiez également tout simplement la misogynie comme facteur pour lequel on s'oppose au droit de vote des femmes, le pur et simple. Oui, ben, celui-là, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer. Là. Simplement en citant les discours de nos politiciens, on va voir qu'effectivement la misogynie est très présente dans leurs paroles, et ça, même quand ils essayent d'être gentils. Oui, effectivement, pour avoir eu un aperçu des citations que vous allez nous offrir, disons que, bon, il y a certains politiciens qui, c'est ça, là, ça a mal vieilli, leur déclaration. On peut dire ça. Et si on regarde, en fait, de l'autre côté, qu'est-ce qui a permis à l'adoption du droit de vote des femmes dans certains pays? C'est triste à dire, mais principalement, c'est l'intérêt partisan. Ou l'intérêt national dans certains cas. Dans tous les pays démocratiques, c'est rare qu'on va accorder le droit de vote à un groupe de population qui ne l'a pas de manière vraiment désintéressée. Quand on le fait, c'est parce qu'on espère que les femmes vont voter dans un certain sens. On ne se demande pas est-ce que les femmes méritent le droit de vote. On ne se demande pas si les femmes sont capables de bien utiliser leur droit de vote. On se demande plutôt comment est-ce qu'elles vont utiliser leur droit de vote, comment est-ce que ça va rapporter soit à notre parti politique, à notre formation politique ou à nos intérêts politiques. Ça peut quand même servir une cause plus grande que le simple intérêt de parti, mais c'est toujours intéressé. Ouais. En feuilletant un petit peu les notes que vous aviez prises pour votre conférence, je me suis rendu compte que l'Église a été un acteur en fait en faveur du droit de vote des femmes. On pense toujours que l'Église a voulu freiner le droit de vote des femmes, mais elle a été en faveur du droit de vote des femmes. Oui, bien, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, donc le fait que les femmes sont restées plus catholiques que les hommes en général. Donc en 1919, on a le pape Benoît XV qui va demander aux États catholiques d'accorder le droit de vote aux femmes.
puisque les femmes sont de bonnes catholiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'accorderait pas le droit de vote à cet électorat conservateur potentiel? Ça permettrait peut-être de contrebalancer le vote des marxistes, des juifs, des protestants, des anticléricaux de façon générale. Donc, encore une fois, il ne faut pas penser que l'Église appuie le vote des femmes par progressisme ou par souci d'égalité. C'est encore une fois de façon très intéressée. Et incidemment, la position de Benoît XV va avoir un effet négatif en France en 1919. Oui, effectivement. En fait, les partis catholiques dans les pays catholiques d'Europe vont devenir les principaux, parmi les principaux revendicateurs pour la question du droit de vote des femmes. Et dans un pays où il y a une tradition anticléricale comme en France, il suffit que le pape fasse une proposition pour qu'on s'en méfie. Qu'en 1919, on va d'abord avoir l'Assemblée nationale qui va accorder, qui va voter qu'on accorde le droit de vote aux femmes par une très forte majorité. Là, on parle de 344 députés pour et 97 contre seulement. Et ensuite, Benoît XV demande qu'on accorde le droit de vote aux femmes et ça suffit, ça, à ce que les politiciens français se braquent complètement contre le vote des femmes, ce qui fait qu'au Sénat, on va s'opposer à accorder le droit de vote aux femmes. Et c'est ce qui fait qu'il va falloir attendre 1945, donc 5 ans après le Québec, pour que la France accorde le droit de vote aux femmes. Ironiquement, on va voir en France des sous-ministres femmes, alors que les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Ah, c'est quand même assez particulier. Et si on regarde les États qui ont donné le droit de vote aux femmes, est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement l'accession au droit de vote des femmes? Quels sont, par exemple, les premiers pays à donner le droit de vote aux femmes et pourquoi est-ce que ces pays-là donnent le droit de vote aux femmes? Alors, les deux premiers pays occidentaux à accorder le droit de vote aux femmes, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, des pays qui sont relativement nouveaux, où on a de sérieux problèmes d'alcoolisme, ce sont des pères de colonisation, et on croit que amener les femmes en politique, amener les femmes à s'intéresser à la politique, ça pourrait être éventuellement bénéfique pour la moralité au pays, que justement, les femmes amèneraient éventuellement la prohibition, la lutte à l'alcoolisme, au centre des préoccupations de la politique du pays. Ensuite, ce sont les pays d'Europe du Nord qui vont emboîter le pas, c'est la Norvège, la Finlande et le Danemark. Ici, c'est principalement le nationalisme qui a favorisé l'adoption du vote des femmes. Au début du 20e siècle, on a des vagues de nationalisme qui sont très fortes dans les pays d'Europe du Nord, où on lutte pour l'indépendance nationale et la souveraineté territoriale par rapport à la Suède, la Russie, l'Allemagne. Et justement, les femmes sont considérées plus nationalistes que les hommes. Et donc, on espère qu'en les impliquant dans la vie politique, ça va aider à sensibiliser, entre autres, la jeune génération aux aspirations nationalistes. Et on voit également toute une série de pays donner le droit de vote aux femmes vers la fin de la Première Guerre mondiale. En 1918, Autriche, Allemagne, Canada, Hongrie, Royaume-Uni, 1919, Pays-Bas, Luxembourg, Suède. Est-ce que la Première Guerre mondiale a eu un rôle dans l'obtention du droit de vote des femmes? Oui, bien sûr, parce que ça va être présenté comme un geste de reconnaissance envers les femmes pour leur apport très important au cours de la Première Guerre. On se souvient que les femmes ont beaucoup remplacé les hommes dans les usines pendant qu'ils étaient partis à la guerre. Encore une fois, ça va être l'explication officielle. Hein. On dit qu'on rend hommage aux femmes pour les services rendus pendant la guerre, même si en réalité, bon, il va toujours y avoir un peu un intérêt partisan. Même si ça peut être simplement être l'idée que le parti qui a le droit de vote aux femmes va sûrement se gagner la reconnaissance des femmes pendant toute une génération et se maintenir au pouvoir. Mais d'une façon générale, c'est vrai qu'il y a un mouvement pendant et après la Première Guerre mondiale, ça se fait vraiment très rapidement, parce que justement, on se rend compte que non seulement les femmes sont tout à fait capables de jouer un rôle dans la société, mais aussi qu'elles sont capables de se mobiliser en faveur de l'intérêt national, de l'intérêt du pays. Et qu'en est-il du côté des pays musulmans? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'influence du catholicisme à la fois en faveur et en défaveur du droit de vote des femmes, mais on remarque que certains pays musulmans vont donner le droit de vote aux femmes avant le Québec. Oui, effectivement. Ça étonne toujours quand je dis ça, mais oui, la Turquie et l'Ouzbékistan vont accorder le droit de vote aux femmes avant le Québec.
Bon, évidemment, chaque pays, encore une fois, suit sa trajectoire bien personnelle. La Turquie, de son côté, c'est qu'on est en train de laïciser le pays, justement. Le principal inspiration, c'est quand même particulier parce que la principale inspiration de la Turquie pour la laïcisation, c'est la France. Et pourtant, la Turquie va accorder le droit de vote aux femmes avant la France. Donc, on va remarquer des pas de géant là, du côté de la Turquie vers l'égalité homme-femme, parce que dès la première élection où les femmes votent, il y a déjà des femmes qui vont être élues au Parlement. De mémoire, là, c'est environ une vingtaine de femmes là, qui vont être élues en Turquie dès la première élection. Donc, vraiment des pas de géant. Puis, dans les autres pays musulmans, ça va principalement être la décolonisation qui va entraîner l'adoption du vote des femmes. Turquie 1934, Ouzbékistan 1938. Bon, ensuite, on avait le Québec en 1940, la France au milieu des années 40. Et on peut se consoler dans une certaine mesure en se disant qu'on n'est pas les derniers de classe. Il y a plusieurs autres pays qui vont donner le droit de vote aux femmes bien des années après le Québec. Oui, effectivement, la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, le Portugal. Dans certains cas, ça s'explique parce que ces pays ont été des dictatures pendant longtemps, donc la question du vote des femmes, évidemment, ne se posait pas. Mais on a des pays aussi comme la Suisse où on était déjà démocratique et pourtant il faut attendre très longtemps après le Québec, après la France pour avoir le droit de vote. Oui, quand même. 1971, la Suisse, 1974, le Portugal, 1975, l'Espagne, c'est tard. Mais bon, comme vous dites, il y a des facteurs, notamment des dictatures. Ouais. Et si maintenant on se dirige du côté du Canada? Le Canada, on le sait, donne le droit de vote aux femmes en 1918, le Québec en 1940, mais il y a des provinces qui ont précédé le Canada. Quelles sont les premières provinces à donner le droit de vote aux femmes et pourquoi? Les premières provinces canadiennes qui donnent le droit de vote aux femmes sont les provinces des Prairies et le phénomène est très semblable à celui de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, parce que les provinces des prairies, ce sont des sociétés aussi relativement nouvelles, des terres de colonisation, et on y retrouve là aussi des problèmes de moralité, un problème d'alcoolisme, entre autres, qui est très, très fort, et les femmes sont considérées comme un instrument de tempérance, de moralisation. Et de toute façon, les provinces des prairies sont des provinces encore très majoritairement masculines, donc on aime bien les femmes et on veut leur montrer. Ouais. Et dans les années 10, il va y avoir un mouvement très fort en faveur de la prohibition au Canada et aux États-Unis. Et dans l'Ouest canadien, les groupements féminins sont particulièrement actifs dans le débat. On va donc. Excusez. Donc, les femmes vont militer en faveur de la prohibition. Si on prend l'exemple du Manitoba, on a le Parti libéral qui va vraiment s'approprier la question de la prohibition, qui vont faire son cheval de bataille aux élections. Les femmes vont militer en faveur de Tobias Norris, qui est le chef du Parti libéral, vont contribuer à le faire élire. Et une fois au pouvoir, Norris se rend compte que oui, c'est utile d'avoir les femmes de son côté et donc va leur accorder le droit de vote en espérant que ça l'aide à se maintenir au pouvoir. Et on va voir une histoire semblable dans les autres provinces. Qu'en est-il en Ontario, par curiosité? En Ontario, c'est un gouvernement conservateur qui va accorder le droit de vote aux femmes. Dans ce cas-ci, c'est vraiment la question de la guerre qui va faire toute la différence. Les femmes ontariennes sont particulièrement impliquées dans l'effort de guerre. Elles soutiennent une pleine participation à la guerre. Elles sont en faveur de la conscription. Et ça tombe bien parce que les conservateurs aussi. Les conservateurs sont au pouvoir. Les élections s'en viennent. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas le droit de vote à des centaines de milliers d'électrices conservatrices potentielles? Bref, les femmes gagnent souvent le droit de vote après s'être engagées sur la scène politique. Si elles sortent pour la conscription ou pour la prohibition, eh bien, on se rend compte que, oh, c'est des électrices potentielles et on se dit, on a tout intérêt à les mettre de notre bord et leur donner le droit de vote. Exact. C'est la tendance qu'on remarque dans la plupart des provinces canadiennes. On donne le droit de vote aux femmes soit parce qu'on vient de gagner les élections avec leur aide ou parce qu'on espère gagner les élections avec leur aide. Et c'est pas le cas au Québec parce que au Québec, les femmes, par exemple, conservatrices ont fondé une association en 1933. Il va y avoir une mobilisation de femmes. Donc, qu'est-ce qui explique que ça ne soit pas autant le cas au Québec que dans le reste des provinces canadiennes? Au Québec, les femmes sont très impliquées dans les activités paroissiales, mais beaucoup moins dans les situations politiques.
parler des femmes conservatrices de Québec, c'était quand même un bon exemple parce que la présidente des femmes conservatrices de Québec va écrire à son archevêque, Mgr Villeneuve, pour lui demander la permission de constituer leur association, ce qui montre quand même une certaine timidité là, de la part des femmes à prendre part à la vie politique. Et c'est quand même remarquable parce que l'archevêque va lui répondre, mais écoutez, vous n'avez pas besoin de ma permission. Vous n'avez pas besoin, vous êtes parfaitement capable de prendre vos décisions par vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation de vos évêques. Et ça peut avoir contribué à faire en sorte que les politiciens aient pris plus de temps au Québec à considérer les femmes comme des appuis politiques intéressants. Je ne veux pas faire croire que tous les politiciens sont purement calculateurs. Il y a quand même eu des femmes qui croyaient vraiment qu'il fallait donner le droit de vote aux femmes, mais pour ce qui est de l'appui qu'on peut voir dans les autres provinces, ça va prendre plus de temps avant de le voir au Québec. Oui, parce que bon, il y a des politiciens qui semblent peut-être plus idéalistes et qui semblent plus le faire pour parce qu'ils croient en la cause, parce qu'ils croient en l'égalité homme-femme que en justement en des calculs bassement partisans. Je pense notamment bon à Pugsley. On n'a pas encore parlé du Nouveau-Brunswick, mais au Nouveau-Brunswick, dès 1887, il y a quelqu'un qui dépose un projet de loi en faveur du vote des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce cher Pugsley? Bien sûr, je crois qu'on dit Pugsley, j'en suis pas certain. Ah, excusez. Pugsley, ouais. Sir William Pugsley, qui est un député libéral du Nouveau-Brunswick, et oui, qui, à ma connaissance, est le premier politicien canadien a proposé dans un parlement qu'on accorde le droit de vote aux femmes. Lui, il fait en 1887, ce qui est quand même une longueur d'avance assez importante, autant sur le fédéral que sur les autres provinces. À titre comparatif, là, il faut attendre 1900 pour que le débat vienne au Parlement canadien pour la première fois. Pugsley va même être premier ministre du Nouveau-Brunswick pendant 3 mois, malheureusement, en 1907, donc malheureusement pas assez longtemps là, pour faire tout ce qu'il aurait voulu faire, mais il a quand même eu le temps de mettre en place une partie de son programme. Entre autres, le Nouveau-Brunswick, c'est la première province à avoir permis aux femmes de devenir avocates. Et c'est Pugsley qui va mettre cette loi-là en place. Donc, dans son cas, on voit vraiment là, qu'il y a une volonté d'accorder plus d'égalité aux femmes et que ce n'est pas forcément un calcul. Et si on se dirige effectivement du côté de la Chambre des communes, vous avez mentionné que le premier débat sur la question arrive en 1900, donc 13 ans après que ça soit soulevé au Nouveau-Brunswick. À quoi est-ce que ça ressemble, ce premier débat-là? Est-ce que ça soulève les passions? Est-ce qu'on en parle longuement? Non, ça va être extrêmement bref comme débat. En fait, c'est un député québécois, disons-le, conservateur, M. Alvin Moore, anglophone, qui le propose. Il propose qu'on accorde le droit de vote aux femmes canadiennes. Et le premier ministre, Wilfrid Laurier, va lui répondre que ben, ce sont les provinces qui déterminent qui a le droit de vote au Canada, parce qu'effectivement, à l'époque, les listes électorales du gouvernement fédéral sont simplement les listes électorales des provinces. Et la discussion va s'arrêter là. Donc, on a un député qui dit les femmes devraient peut-être pouvoir voter. Un autre lui répond non. Et on passe au sujet suivant. Et voilà, c'était le premier débat sur le droit de vote des femmes au Canada. Un peu court. Quand est-ce qu'il faut attendre pour que le débat revienne et que cette fois-ci, on en parle de façon un petit peu plus conséquente? Alors, le premier vrai débat à la Chambre des communes, ça va être en 1916, en février 1916. C'est là qu'on est vraiment au premier débat de fond sur la question. À ce moment, le vote des femmes a déjà été adopté au Manitoba et il est sur le point de l'être en Alberta et en Saskatchewan, où les gouvernements l'ont déjà promis. Et c'est Sir William Pugsley, encore une fois, qui va en faire la proposition au Parlement fédéral. Et comment est-ce que ça se passe cette fois-là? Est-ce que sa proposition est bien reçue ou est-ce que, comme la dernière fois, bon, on met ça en dessous du tapis et on n'en parle plus? Il va y avoir des appuis, évidemment. Il faut dire que la proposition, c'est seulement d'accorder le droit de vote aux femmes aux élections fédérales, aux femmes qui l'ont déjà au provincial. Et donc, les seuls députés qui vont appuyer la proposition de Pugsley sont les députés des Prairies, donc Manitoba, Alberta, Saskatchewan, les seules provinces où les femmes peuvent déjà voter. Les députés, autant libéraux que conservateurs dans les autres provinces, vont s'opposer à la proposition de Pugsley pour des raisons, supposément, de démocratie et d'égalité. Parce que ce serait injuste que les femmes des prairies puissent voter, tandis que les femmes des autres provinces ne le pourraient pas. Donc,
la solution juste et équitable, c'est de refuser le droit de vote à toutes les femmes canadiennes. Le premier ministre Borden va lui-même s'imposer au projet de Pugsley et, c'est assez intéressant, il va imposer la ligne de parti à ses députés, les conservateurs, donc, qui sont majoritaires aux communes. Parce que, bon, si je me permets peut-être une petite parenthèse, la ligne de parti, à l'époque, elle n'est pas automatique, comme on va le voir. Des fois, c'est ça, les libéraux vont voter pour et contre le droit de vote des femmes en même temps. Oui, effectivement, la ligne de parti, on la voit surtout quand c'est un projet de loi ministériel qui est proposé, donc par un ministre ou un député du gouvernement. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un député qui fait la proposition de sa propre volonté. Donc, à ce moment-là, normalement, les députés sont libres de voter si c'est du sens qu'ils veulent, pour ou contre. Mais dans ce cas-ci, Borden a décidé que la question était suffisamment importante pour qu'on impose la ligne de parti. Et ben, malgré tout, en fait, c'est ce Charles Borden qui, en 1917, va se retrouver une nouvelle fois face à ce débat-là. Qu'est-ce qui se passe en 1917 pour que ça revienne sur le tapis un an après avoir été battu par les conservateurs? Et d'abord, c'est encore Pugsley qui va faire la proposition. Pugsley est tenace. Il va la proposer encore en janvier 1917. La proposition va être reportée parce que, on propose qu'elle soit reportée dans 3 mois. Parce que ce qu'on explique, c'est que c'est une question importante et les députés n'ont pas encore eu bien le temps d'y réfléchir et de se faire une opinion. Donc, le débat reprend en mai 1917. L'idée, c'est encore une fois donner le droit de vote seulement aux femmes qui l'ont déjà au provincial. La première chose qu'on remarque quand on regarde les interventions des députés, c'est à quel point ils sont nombreux à s'opposer au projet de loi, mais sans avoir d'opinion sur la question du vote des femmes. On a Borden qui va dire « j'ai aucune objection à ce que les femmes votent un jour », mais le moment n'est pas venu d'avoir ce débat au Canada. On a un ministre, Charles-Joseph Doherty, qui dit qu'il ne veut surtout pas intervenir dans le débat sur le vote des femmes, mais qui considère que cette loi serait inconstitutionnel. Et finalement, je peux mentionner le libéral Daniel Duncan Mackenzie de Cap-Breton qui dit qu'il n'a pas d'opinion sur le vote des femmes, mais il considère que la place des femmes est au foyer. Ouais, c'est un peu une opinion, ça. Alors, la discussion est quand même différente cette année-là parce que quelques semaines auparavant, la Colombie-Britannique et l'Ontario ont accordé le droit de vote aux femmes. Donc, ce n'est plus seulement les provinces des prairies où les femmes peuvent voter. Ça provoque un changement important, là, surtout du côté des députés ontariens. En 1916, les députés ontariens refusaient le droit de vote aux femmes au nom de l'autonomie provinciale. Ils disaient qu'on ne peut pas comparer des provinces sauvages des prairies à la province la plus riche, la plus développée du Canada. La situation est différente, donc forcément, la situation des femmes également est différente. Un an plus tard, l'Ontario a donné le droit de vote aux femmes. Donc là, maintenant, les Ontariens pensent que les règles devraient être les mêmes partout au Canada et le gouvernement fédéral devrait obliger les provinces à donner le droit de vote aux femmes si elles ne l'ont pas déjà fait. La Nouvelle-Écosse est particulièrement pointée du doigt parce qu'en Nouvelle-Écosse, le Parlement a rejeté le droit de vote des femmes quelques semaines auparavant. Et donc, l'Ontario veut donner l'exemple aux provinces qui n'ont pas encore évolué comme elle l'a fait. Ah, ces chers Ontariens. Hein? Et Wilfrid Laurier va se présenter en médiateur entre les différentes provinces. Lui va dire « c'est juste de donner le droit de vote aux femmes qui l'ont déjà dans leur province, mais il serait injuste de le donner aux femmes qui n'en veulent pas. » Et si des provinces n'ont pas accordé le droit de vote aux femmes encore, c'est évidemment parce que les femmes ne le désirent pas. Ouais. Et bref, notre cher ami Laurier propose de donner le droit de vote aux Ontariennes puisque les Ontariens le veulent, mais il ne faudrait quand même pas l'imposer aux Québécois s'ils ne le veulent pas. Exactement. Et d'ailleurs, ça va être l'argument qui va être martelé pendant des années, pas seulement au Québec, mais qui était souvent répété dans les autres provinces canadiennes, comme quoi on ne veut pas avoir le droit de vote aux femmes parce que les femmes, de toute façon, ne veulent pas ce droit de vote. Oui, ce n'est pas ce que disait Thérèse Cardigret, mais bon, ça, c'est autre chose. Et les députés vont adopter finalement la position de leur province, ça peut être chose près. Oui, effectivement. Les exceptions, on a Sir William Pugsley, qui est le seul député du Nouveau-Brunswick à vouloir accorder le droit de vote aux femmes. Et au Québec, on a les députés
anglophones québécois qui pensent que le Québec devrait imiter le reste du Canada. Tous les francophones québécois s'opposent à la question. Et le débat, encore une fois, se termine sans que le vote ait lieu. Et donc, si je comprends bien, c'est la loi sur les élections qui va ramener le droit de vote des femmes sur le tapis, parce que là, encore une fois, on a repoussé ça. Effectivement, la question revient sur le tapis en septembre 1917 avec la question, la projet de loi d'Arthur Meighen sur les élections en temps de guerre. Donc, il faut rappeler que ça fait déjà 3 ans qu'on est en guerre. On a vraiment atteint la limite de ce que le volontariat peut apporter. Et pour le gouvernement de Robert Borden, les conservateurs, la solution, c'est le service militaire obligatoire, la conscription, à laquelle on est surtout opposé au Québec. Donc, Borden se présente comme l'homme qui va mettre fin à la guerre. Il va s'assurer de gagner ses élections grâce à la loi sur les élections en temps de guerre. Entre autres, on donne le droit de vote aux soldats qui sont en service outre-mer, mais c'est le gouvernement qui va décider dans quelle circonscription va être appliqué le vote des soldats. Ouais. Donc, la loi a un but assez évident, c'est de faire réélire le gouvernement. La loi sur les élections en temps de guerre, elle n'accorde pas le droit de vote aux femmes, mais à certaines femmes. Arthur Meighen explique qu'il y a au pays des femmes qui sont nées dans des pays avec lesquels le Canada est présentement en guerre. Elles sont devenues citoyennes soit en se mariant ou avec un processus de naturalisation. Et donc, ce serait dangereux d'accorder le droit de vote à toutes les femmes canadiennes. Il faut tracer une ligne et la ligne, ça va être celle du service militaire. On va donner le droit de vote aux mères, aux femmes, aux veuves, aux sœurs et aux filles de soldats qui sont présentement en Europe et qui en sont revenus, ou qui ne sont pas revenus forcément. En fait, ces femmes-là vont pouvoir voter. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'accorderait pas le droit de vote simplement à toutes les femmes britanniques, puisque la question qui est posée, c'est on ne veut pas accorder le droit de vote, par exemple, aux Allemandes, aux Autrichiennes. Alors, Meighen explique que le projet de loi, c'est une façon de récompenser les soldats pour leur sacrifice en leur permettant d'exercer l'influence dont ils sont privés par leur absence du Canada. Et ça mène à un long débat rhétorique sur les fondements et sur l'application du projet de loi. On va dire, oui, mais si une femme a épousé un soldat, mais qu'elle est née en Allemagne, et si une femme est sœur de soldat, mais qu'elle marie un homme qui est né en Allemagne, mais qui, lui, est devenu depuis citoyen britannique. Ouais, on voit le genre. Et donc, cette fois-ci, c'est qui s'y oppose? Parce que c'est plus embêtant de s'opposer à quelque chose qui veut récompenser les soldats, si je peux m'exprimer ici, en pleine Première Guerre mondiale. Oui, effectivement. D'ailleurs, il n'y aura aucune opposition au fait que ces femmes puissent voter. La seule opposition au projet de loi, on attaque plutôt les restrictions au droit de vote. Le fait que, justement, on n'accorde pas le droit de vote à toutes les Canadiennes. William Pugsley, encore une fois, va dire que les femmes devraient pouvoir voter parce que c'est leur droit, simplement. Et non pas pour les récompenser d'avoir enfanté ou marié un soldat. On a un autre libéral, Frank Oliver, qui va simplement dire « L'objectif du gouvernement, c'est de créer une nouvelle caste militaire qui va le maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. » Un autre libéral encore, George Ewan McCraney, qui trouve absurde qu'on accorde le droit de vote aux filles de soldats, mais qu'on le refuse aux femmes qui contribuent elles-mêmes à l'effort de guerre, par exemple, en travaillant dans des usines. Et Meighen va lui répondre qu'on ne peut pas comparer le tricot d'une paire de bas avec le sacrifice d'une vie. Oh. Donc, tout ça pour dire que le principe même du vote des femmes est pratiquement absent de la discussion sur le projet de loi qui accorde le droit de vote aux femmes pour la première fois au Canada. Oui, c'est ça. C'est vraiment dans un contexte particulier pour maintenir le gouvernement au pouvoir. C'est très, très partisan. Mais en 1918, Borden va décider d'étendre le droit de vote des femmes à toutes les femmes, par contre. Oui, effectivement. Et cette fois-là, il va y avoir une opposition très forte. Borden et les conservateurs vont se faire réélire sans aucune surprise aux élections avec une très forte majorité. Et Borden va proposer d'accorder le droit de vote à toutes les femmes canadiennes. Ça l'a très bien servi, le vote des femmes, aux élections de 1917, donc ça pourrait servir encore.
Et une fois la guerre terminée, bien, on ne pourra plus utiliser la loi des élections en temps de guerre. Donc, Et comment se positionnent les conservateurs et les libéraux cette fois-ci? Vous dites qu'il y a beaucoup d'opposition. Est-ce qu'elle vient des conservateurs? Est-ce qu'elle vient des libéraux? Qui est en faveur? Qui est en défaveur? Du côté conservateur, on est unanimement en faveur du vote des femmes. C'est pas, on ne peut pas déterminer là, si c'est vraiment la ligne de parti ou si tous les conservateurs font exactement le même calcul que leur chef, à savoir que ça va profiter au Parti conservateur. L'opposition, elle est très vigoureuse du côté libéral et en particulier du côté libéral francophone. Ce qui va de soi parce que presque 70 % de la députation libérale a été élue au Québec et les députés des autres provinces sont également députés francophones. Donc, le seul anglophone qui va se prononcer contre le vote des femmes, c'est le député libéral de Brome, donc un député québécois, encore une fois, M. Andrew Ross McMaster, qui a peur que le vote des femmes augmente l'influence de la religion sur la politique, puisque les femmes, c'est lui qui le dit, sont plus vulnérables face à l'influence de la religion, l'influence de leur prêtre. Donc, un argument qu'on retrouve également en France à la même époque. Mais du côté des libéraux francophones, l'opposition, elle est beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus vocale, si je peux dire. Le député Hyacinthe Adélard Fortier de Labelle qui nous explique qu'il y a des femmes, il y a des pays qui ont le droit de vote aux femmes et qu'on n'a pas réussi jusque-là à prouver que le vote féminin a vraiment contribué au progrès de la civilisation, au bonheur de l'humanité. Donc, visiblement, on pourrait s'en passer. Fortier, ça va être le premier à prendre la parole, prendre le débat au Parlement. Il va résumer assez bien les arguments qui sont répétés depuis plusieurs années au Canada et qui vont être répétés pendant une vingtaine d'années à l'Assemblée législative du Québec. Donc, il nous dit... Le rôle des hommes et des femmes a été défini par la nature et ce n'est pas la place du gouvernement de les remettre en question. Le vote des femmes, c'est une des formes du féminisme qui sévit dans le monde actuel et qui menace l'ordre social. Il ne faut surtout pas abaisser les femmes en les amenant dans la sphère politique qui va les éloigner de leur foyer et détruire les ménages. On a aussi le député Emmanuel Danjou de Rimouski qui va jusqu'à dire que le vote des femmes, c'est une mesure antipatriotique et néfaste et que ce serait un désastre regrettable et irréparable. Et finalement, on a Hermas Deslauriers de Montréal-Sainte-Marie. Lui, c'est parce qu'il respecte les femmes qu'il leur refuse le droit de vote. Je le cite, il nous dit, il dit aux femmes, « Nous vous aimons tellement que nous voulons vous garder à la maison. » Ouais. Mais là, rassurez-moi un peu, il y a quand même des députés francophones en faveur, on espère? Oui, bien sûr. On a Pamphile Dutremblay de Laurier-Outremont. Monsieur Dutremblay, qui de mémoire est le fondateur, ou en tout cas était un des directeurs de la presse à Montréal, ouais. Qui est le seul député francophone qui prend la parole en faveur du suffrage féminin. Donc, désolé de vous décevoir, mais il y en a seulement un. Donc, lui répond à ses collègues québécois qui prétendent que les femmes ne veulent pas voter. Lui a apparemment fait un sondage dans son comté et est arrivé qu'au moins dans son comté, il arrive à la conclusion que les femmes, oui, veulent voter. Mais malgré toute opposition, la loi elle est votée le 24 mai 1918 et le droit de vote est accordé à toutes les femmes canadiennes, à l'exception des femmes amérindiennes et des femmes asiatiques en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Ouais, bref, on se méfie toujours, c'est ça, des gens qui étaient contre nous lors de la Première Guerre mondiale. Oui, effectivement, et les préjugés sont... En fait, c'est l'immigration asiatique qui est un gros problème aux yeux des gens de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, qui fait qu'on refuse le droit de vote à ces groupes de population. Pour l'anecdote, il faut attendre en 1947 pour que les Canadiens d'origine asiatique puissent voter en Colombie-Britannique. Et on a ici, évidemment, les préjugés ancrés très profondément à l'endroit des Amérindiens, donc qui fait qu'il faut attendre 1960 pour que les Premières Nations puissent voter au Canada. Ouais. Il y avait du travail à faire de ce côté-là comme aujourd'hui. Absolument. Et si maintenant, en fait, on se déplace à Québec, à l'Assemblée législative,
Qu'en est-il des débats sur le droit de vote aux femmes, le droit de vote des femmes? Sur combien de temps est-ce que ça va s'étaler? Est-ce que, bon, au final, ça va être un petit peu comme au Canada, où ça va être de 1900 à 1918, donc 18 ans, puis au final, ça va être plus sérieux? C'est le droit de vote au Canada, c'est vraiment plus, bon, 1916, 1918, on en parle vraiment beaucoup. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Au Québec, c'est presque un exercice oratoire au Parlement. Les débats ont lieu de 1922 à 1940. Et dans cette période, on va avoir quand même 15 débats à l'Assemblée législative. Et à l'exception du premier, ce sont des débats qui durent très longtemps. D'ailleurs, on a des députés qui vont souvent critiquer le fait qu'on leur fait perdre un temps précieux en débattant du vote des femmes à chaque année. Donc, non, c'est vraiment pas comparable avec les autres provinces canadiennes ou avec le fédéral, où là, du moment que la discussion est vraiment amenée, ça se règle assez rapidement. Alors qu'au Québec, on va en parler très, très longtemps avant de finalement l'adopter. Au Québec, on se rend compte qu'il va y avoir, au cours de ces nombreuses années, il va y avoir des députés qui vont systématiquement prendre position en faveur et qui vont s'imposer comme des porteurs de ballon de ce projet-là. Quelles sont les caractéristiques qui se dégagent de ce groupe-là? Est-ce que vous avez pu observer certaines similitudes entre ces hommes? Oui, bien d'abord, on remarque vraiment une différence entre, selon en fait la provenance géographique des députés. Les députés qui vont se faire les principaux porte-parole du vote des femmes au Québec, on va principalement les retrouver dans des circonscriptions montréalaises. Ce ne veut pas dire qu'on est systématiquement opposé dans les régions, mais c'est principalement du côté de Montréal que l'idée va faire son chemin le plus rapidement. Et on remarque aussi une question, la question de l'âge. Les députés qui vont proposer qu'on accorde le droit de vote aux femmes sont souvent parmi les plus jeunes représentants qui siègent à la législature et les plus... par contre, les opposants sont de toutes les régions. On en retrouve à Montréal et on en retrouve des jeunes comme des vieux. Donc, il y a une tendance qui dégage du côté des pour, mais du côté des contre, c'est très varié. Et quels sont les arguments qui sont présentés par ceux qui veulent donner le droit de vote aux femmes au Québec? Alors, d'abord, il y a évidemment le fait que le Québec, la province du Québec, est la seule province canadienne en 1922 où les femmes ne peuvent pas voter. On va dire que tous les pays civilisés ont déjà accordé le droit de vote aux femmes. Parce qu'à l'époque, le monde civilisé, bon, ben, c'est le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et on va expliquer en fait que refuser le droit de vote aux femmes, ça revient à les placer dans la même catégorie que les mineurs, les étrangers, les criminels, les malades mentaux et les communistes, donc toutes les catégories de population qui n'ont pas le droit de vote. Ce que les défenseurs du droit de vote défendent, ce n'est pas l'égalité de la femme que sa différence. Comme dans les provinces des prairies, on dit que la femme est plus vertueuse, elle est plus responsable que son mari. On dit que contrairement aux hommes, les femmes ne se laisseront pas aveuglées par l'esprit de parti, elles ne vendront pas leur vote au parti le plus offrant. On dit aussi que les femmes sont plus modérées, donc elles vont aider à éloigner la politique des mouvements radicaux, comme le communisme, par exemple. Et d'ailleurs, justement, il vaut mieux être prudent parce que si jamais la démocratie ne s'ouvre pas aux femmes, alors là, elles pourraient être tentées de se tourner vers des mouvements plus extrêmes, comme le communisme, encore une fois. Et il y a aussi, encore une fois, bien évidemment, l'intérêt de parti. Il y a un député libéral, Henry Miles, qui va prévenir ses collègues que si jamais il n'accorde pas le droit de vote aux femmes, bien, éventuellement, ils vont finir par l'obtenir et à ce moment-là, elles vont se venger du parti qui leur a refusé. Quand même. Et un des arguments qui est évoqué aussi, c'est la reconnaissance envers la Canadienne française. Et que pouvez-vous nous en dire? Oui, bien, comme dans les autres provinces et dans les autres pays, il y a évidemment la question du rôle que les femmes ont joué pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi la reconnaissance envers la femme, envers la mère canadienne-française. C'est à la femme que l'homme doit son éducation. Et on dit aussi que c'est une façon d'améliorer le sort des femmes. Donc, justement, on va montrer notre reconnaissance envers nos épouses et nos mères en leur accordant le droit de vote pour leur permettre, en fait, d'amener les hommes à s'intéresser à leur sort, à s'intéresser à leurs conditions particulières.
Et un autre des arguments qu'on évoque dans le camp du oui, si je peux m'exprimer ici, c'est l'attitude des femmes à voter. Les députés qui sont en faveur du droit de vote des femmes disent qu'elles sont tout à fait aptes à voter. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette question? Là-dessus, on peut voir vraiment une division selon les professions, parce que la plupart des députés sont des membres des professions libérales, donc des avocats, des médecins, des familles où l'homme est le roi du ménage et prend toutes les décisions lui-même. Mais il y a des députés qui vont faire remarquer que les ouvriers et les cultivateurs, eux, prennent toujours les décisions en concertation avec leur épouse, même que ce sont souvent les femmes dans ces familles qui administrent les affaires du foyer. Donc, on a un député, par exemple, Théophile Larochelle, qui va nous dire que sa femme est sa meilleure conseillère politique. On a un ministre, Irénée Vautrin, qui va mentionner que plusieurs pays ont déjà accordé le droit de vote aux femmes et va montrer que ça n'a engendré aucune catastrophe politique. Donc, on ne peut pas vraiment montrer que les femmes ne sont pas habilitées à voter. On a aussi William Tremblay, qui est le plus ardent défenseur du droit de vote des femmes, qui va dire à ceux qui lui disent que le vote des femmes va diviser les ménages, va briser les familles, parce que c'est une des craintes qu'on a à l'époque. Il va nous dire « Mais ma femme vote déjà au fédéral et elle n'est pas plus mauvaise femme pour ça. » D'ailleurs, Tremblay va nous dire qu'on ne devrait pas se poser la question à savoir est-ce que les femmes sont capables de voter, puisqu'on ne s'est jamais demandé si les hommes, eux, sont capables de voter. Et la preuve, c'est que toutes les mauvaises politiques du Québec et du Canada ont été votées par des hommes. Et on ne s'est jamais demandé si on devait retirer le droit de vote aux hommes pour autant. C'est quand même bien envoyé. Et tout à l'heure, on a mentionné que Benoît XV s'était positionné en faveur du droit de vote des femmes. Est-ce que c'est un argument qui va être amené à l'Assemblée législative par les députés en faveur du droit de vote aux femmes? Oui, effectivement. On va citer Benoît XV, mais aussi le pape Pie XI, donc le successeur de Benoît XV, qui est le pape en fonction au moment où la plupart des débats ont lieu. Donc, les deux papes ont appuyé le vote aux femmes, ont demandé aux États catholiques de l'accorder. Donc, oui, effectivement, on va utiliser l'autorité du pape, mais apparemment que dans ce cas-ci, on considère que même le pape peut avoir tort. Ouais, le pape peut avoir tort quand ça nous arrange. Hein? Tout à fait. Et si on va du côté des détracteurs, on voit également qu'il y a certaines personnes qui sont systématiquement contre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elles? Vous nous avez mentionné qu'elles se trouvaient un petit peu partout au Québec, qu'elles étaient de tout âge, mais est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent en tête, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques sur ces personnes-là? Oui, du côté des opposants, ici, je parle vraiment des députés là, qui vont faire des discours contre le vote des femmes à l'Assemblée. La plupart viennent des circonscriptions rurales. Donc, on ne parle même pas ici de petites villes, on parle vraiment des régions, des comtés de la campagne, comme par exemple en Abitibi, en Beauce, dans les Laurentides, par exemple. C'est d'ailleurs en Beauce qu'on va retrouver le plus grand nombre d'opposants au droit de vote. Il y a trois députés de la Beauce au cours de la période qui vont faire des discours contre le vote des femmes. Et si on va du côté des arguments évoqués, On a déjà entendu quelques-uns, mais c'est ça, j'aimerais bien avoir plus de détails sur ceux qui sont invoqués plus particulièrement à l'Assemblée législative. Quels sont-ils ces arguments pour lesquels on ne devrait pas donner le droit de vote aux femmes à l'époque? Oui, bien, on l'a déjà mentionné. L'argument préféré de ceux qui refusent le droit de vote aux femmes, c'est que les femmes ne veulent pas ce droit de vote. Elles ne veulent pas qu'on leur impose le droit de vote. Certains vont dire qu'ils ont fait un sondage dans leur comté, comme Pamphile du Tremblay à l'époque, et que le résultat, c'est que les femmes de leur comté ne veulent pas le droit de vote. Il y en a qui vont encore moins loin. On a M. Laurent Barré, le député conservateur de Rouville, qui va simplement nous dire « Moi, j'ai demandé à ma femme, veux-tu voter? » Elle a dit non. Et voilà. Oui, la question est réglée. Et une autre preuve, c'est que c'est le Parti conservateur au Canada qui a accordé le droit de vote aux femmes. Et les femmes canadiennes françaises ont voté majoritairement pour des libéraux aux dernières élections fédérales. Donc, les, euh,
c'est la preuve, ça, que les femmes ne voulaient pas ce droit de vote. Elles sont allées voter pour montrer qu'elles ne veulent pas voter. Ouais. Ça, c'est vraiment déterminé. Et, ouais. De toute façon, ce qu'on explique, c'est que les deux époux, par définition, sont unis politiquement. Monsieur et madame ont toujours la même position en politique. Donc, est-ce que ça vaut la peine de doubler les listes électorales, de doubler l'achalandage dans les bureaux de vote, de doubler le prix des élections pour, au final, arriver au même résultat? Et un autre argument qu'on invoque, c'est la tradition. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On en parlait un petit peu dans le début de la conférence. Donc, les nationalistes québécois veulent montrer que la province de Québec n'est pas une province d'imitation, qu'on n'a pas l'obligation de suivre l'exemple des autres provinces canadiennes. Le vote des femmes, c'est une invention anglo-saxonne, donc qui est forcément contraire aux traditions canadiennes, françaises, catholiques. La preuve, c'est qu'en France, les femmes ne votent toujours pas. Mais, ça je tiens à le préciser, on n'emploie jamais l'argument religieux, donc l'argument de la religion. On parle de tradition, mais pas de catholicisme. Il n'y a seulement que deux députés libéraux qui vont se servir de l'Église pour justifier leur opposition au vote des femmes. On va citer le Concile des évêques québécois en 1909, où les évêques se sont prononcés contre le vote des femmes, donc bien avant que les papes, eux, réclament le droit de vote pour les femmes. Et on a aussi Joseph-Édouard Fortin en Beauce, qui va nous rappeler que le pape est contre le féminisme et le vote des femmes, c'est du féminisme. Évidemment, ouais. Fortin ne mentionnera pas que le pape est pour le vote des femmes et que lui ne considère pas que c'est du féminisme. Oui. Et les valeurs catholiques paraissent avoir le dos large, notamment du côté d'un certain François Leduc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce côté-là? Ça, c'est intéressant parce que, comme je disais, il y a des députés qui vont dire « De toute façon, les époux ont toujours les mêmes positions. » Mais d'un autre côté, on a peur que le vote des femmes vienne détruire les familles. Parce que, évidemment, les époux pourraient éventuellement ne pas être d'accord et ça pourrait être cause de friction au sein du ménage. Donner le droit de vote aux femmes, ça risque de les mettre en contact avec toutes sortes d'idées néfastes comme le communisme, encore une fois. Et M. François Leduc, député conservateur, va dire que l'idée de permettre aux femmes de voter, c'est contraire au principe d'autorité dans la famille. Le droit de vote des femmes, c'est lui qui le dit, c'est la première étape vers toutes les utopies du féminisme, à savoir les écoles mixtes, la liberté sexuelle, la théorie de l'amant légal, donc je crois que c'est une façon pas très gentille de parler des unions de fait, et la suppression totale de la puissance paternelle. Et c'est tant mieux, dirait-on aujourd'hui. Les mêmes arguments qu'on retrouve en France à la même époque. Ouais, c'est ça. Disons que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des propos qui ont mal vieilli. Oui, tout à fait. Et parmi les propos qui ont mal vieilli, il y a ceux qui sont misogynes, tout simplement. Oh, oui, croyez-le ou non, c'est arrivé. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'ici, c'était pas de la misogynie. Ouais. On y arrive. Donc, on a toujours un libéral, Arthur Bélanger, qui pense que si on veut aider les femmes, ce qu'il faut leur donner, ce n'est pas le droit de vote, ce sont des machines à laver et de l'électricité pas trop chère pour les faire fonctionner. Le discours le plus sexiste de tous, c'est quand même celui du député libéral Pierre-Émile Côté de Bonaventure, qui vraiment, lui, est très inquiet à l'idée que le vote des femmes puisse un jour mener à l'élection de femmes députées à l'Assemblée législative. Il nous dit, sans doute, au point de vue esthétique, nous y gagnerions, mais au point de vue pratique, j'en doute. Côté explique que non seulement les femmes ne sont pas assez intelligentes pour pouvoir bien jouer leur rôle en politique, mais en plus, les belles auraient forcément un avantage injuste sur les laides quand viendrait le temps de convaincre leurs collègues masculins. Et finalement, Côté prévient ses collègues que après l'élection des femmes députées, on pourrait un jour voir des femmes médecins, des femmes avocates, des femmes ingénieurs. Quel scénario apocalyptique! Ça a été prononcé à l'Assemblée législative, tout ça. Absolument. Et c'est pas fini. Oui, vous avez quelques citations particulièrement savoureuses à nous offrir, si je n'abuse.
Oui, effectivement, ce sont à mon avis, les cinq meilleures citations sur le vote des femmes à l'Assemblée législative. Et je souligne comme ça que ce sont tous des députés libéraux. Donc, d'abord, on est en 1928, Éphrem Bédard de Québec-Comté. Les femmes de notre province ne se plaignent pas de leur rôle. L'homme connaît mieux la femme qu'elle ne se connaît elle-même. 1929, Hector Rautier d'Abitibi. Les hommes du Québec ont à cœur l'intérêt de leurs sœurs et les aiment trop pour leur imposer les ennuis des luttes politiques et leur donner les avantages discutables du suffrage. Encore une fois, on laisse entendre que vraiment les femmes sont privilégiées de ne pas avoir à s'intéresser à la politique. Robert Raoul Béchamp de Shepherd en 1931. Une femme électeur ou une femme députée, cela répugne à notre éducation familiale. Cela choque notre sens de la convenance tout autant que la femme à barbe du cirque. Qui, elle, a au moins un succès de curiosité. Non. 1932, Augustin Armand Legault de Gatineau. J'ai été partisan du suffrage féminin l'an dernier, mais ce fut un écart de jeunesse. Ce n'est pas le temps d'adopter une pareille législation. La femme pourrait mener le monde par le bout du nez si le monde avait un nez. Ouais. Et ben, peut-être pour nuancer un petit peu ce que vous avez dit sur les libéraux, ben, une des raisons pour lesquelles il y a autant de députés libéraux qui sont contre, c'est parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de députés libéraux. Donc, proportionnellement parlant, comme il y a très peu de députés conservateurs sous Taschereau et sous Gouin avant, ben, c'est ça, les principaux discours qu'on retrouve à l'Assemblée législative, ce sont ceux des députés qui sont présents. Et comme les libéraux bon, ont une majorité mince, ben, c'est ce qui explique un peu cela. Oui, c'est vrai. La majorité des libéraux est vraiment écrasante. La raison pour laquelle, moi, j'aime le souligner, c'est simplement parce que, même encore aujourd'hui, on aime bien rappeler que c'est un libéral qui a accordé le droit de vote aux femmes, alors qu'il faut rappeler que les libéraux ont été au pouvoir très longtemps, avec justement une majorité écrasante, et que c'est pas ce qui conduit à l'adoption du vote des femmes plus tôt. Ouais, oui, continue, excusez. Dernière petite citation. Donc, Pierre Gauthier, de Portneuf en 1935, « Le droit de vote des femmes n'est aucunement nécessaire. Le Canada a été découvert alors que les femmes n'avaient pas ce droit et personne n'a eu à s'en plaindre. » Bien sûr. Je suis tout à fait convaincu. Ouais. Et est-ce qu'on voit une évolution dans les arguments entre 1928 et 1940, tant pour que contre? Au final, est-ce que ben, c'est toujours les mêmes arguments qui sont ramenés à l'Assemblée législative? Ce sont vraiment toujours les mêmes arguments qui sont répétés. Et comme j'ai dit, même en 1940, ce sont les mêmes arguments qui ont été exposés par M. Portier au Parlement d'Ottawa en 1917. Donc, du côté de l'opposition, il n'y a vraiment aucune évolution. Ce sont toujours les mêmes arguments qu'on répète. Et du côté pour également, parce que qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qui a déjà été dit? La femme mérite le droit de vote, la femme est capable de bien se servir de son droit de vote. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Donc, c'est quand même normal que le discours reste sensiblement le même. Et au final, ben, c'est ce qui vous amène à penser que le Québec va peut-être être la province où on va avoir discuté le plus longtemps du droit de vote des femmes. Oui, effectivement. Comme je dis, c'est pratiquement un exercice oratoire. On se demande parfois à quel point sont sincères les députés qui interviennent. Est-ce que c'est vraiment leur position qu'ils défendent? Est-ce qu'ils tentent de se montrer progressistes, comme ça s'est vu en France, par exemple? On a vu des sénateurs qui se prononçaient pour le vote des femmes en sachant que leurs collègues étaient majoritairement contre, donc ils ne perdaient rien à eux-mêmes se présenter pour. Ou encore, est-ce que c'est une façon de montrer qu'on est du même avis que notre chef politique qui, lui, est contre? Ouais. Et maintenant qu'on a vu un petit peu plus les arguments qui étaient amenés de part et d'autre, allons du côté des débats. Qui est le premier député à proposer d'accorder le droit de vote des femmes à l'Assemblée législative et comment est-ce que c'est accueilli? Alors, c'est en 1922 que le premier débat, entre très gros guillemets, a lieu. Donc, c'est un libéral, Henry Miles, qui va proposer que l'Assemblée accorde le droit de vote aux femmes. Il propose de tenir un référendum sur la question, de demander aux femmes québécoises si oui ou non elles veulent voter. Et la proposition va être assez mal accueillie par les collègues.
on ne sait pas qui exactement, mais d'après les journalistes, il y aurait un député qui aurait crié « Tuez-le » au moment où Miles se lève pour parler, pour faire sa proposition. Et Miles va être le seul député à intervenir sur la question. Immédiatement après son intervention, il y a un de ses collègues qui va proposer d'ajourner le débat. Et là, il faut attendre 1927 pour revenir sur la question. Et en 1927, ça se passe mieux? Est-ce qu'on propose encore de tuer le porteur de ballon? Heureusement, ça se passe mieux en 1927. Il faut croire qu'il y a quand même une petite évolution là, en 5 ans. Mais ce sont seulement des députés libéraux qui argumentent sur la question. Et comme ce sont tous des députés du même parti, bien, c'est quand même assez convivial là, comme discussion. C'est sympathique. Il n'y a personne qui va demander de tuer personne. Mais on a droit à des taquineries. Oui, effectivement. Il y en a un qui va proposer le droit de vote aux femmes et qui va dire « Ah, mes collègues qui refusent le vote aux femmes ne doivent pas être très heureux en ménage. » Donc, c'est bon enfant, c'est sympathique. Ouais. Mais le ton va changer en 1928 quand William Tremblay entre en scène. On en a parlé tout à l'heure un petit peu que bon, c'est un ardent défenseur du droit de vote des femmes. Et ben, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe en 1928 avec son entrée en scène? Alors, Tremblay, c'est un député qui porte officiellement l'étiquette d'ouvrier, mais qui, à toutes mes pratiques, vote pratiquement toujours avec les conservateurs, donc vraiment identifié comme un député de l'opposition. Et les libéraux, les journaux libéraux le présentent comme un dangereux féministe. Donc oui, c'est une question qui lui tient à cœur. Alors, quand Tremblay parle, les députés vont faire des blagues, ils vont rire particulièrement fort, ils vont hurler, ils vont l'insulter, ils vont frapper sur leur pupitre. Donc, il y a vraiment un effort là, pour l'empêcher de s'exprimer. Ce n'est pas forcément la question du vote des femmes qui est le problème. C'est vraiment le porte-parole qui est antipathique à plusieurs députés présents. Tremblay va proposer que le projet de loi soit étudié en commission parlementaire pour permettre aux femmes de venir exprimer leur point de vue et dire si oui ou non elles veulent voter. Et c'est à partir de là que la question va commencer à être instrumentalisée par les partis. Les conservateurs vont appuyer la proposition de Tremblay. De toute façon, on perd rien, on risque rien à permettre aux femmes de venir s'exprimer. Il sera toujours temps de voter contre la proposition après. Par contre, Taschereau, le premier ministre, lui, va s'opposer à la proposition. Le vote sur la proposition de Tremblay a lieu. Elle est rejetée. Et la deuxième lecture du projet de loi va être renvoyée dans 6 mois, ce qui est une manœuvre là, courante à l'époque pour empêcher la discussion sur un projet de loi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'étudier 6 mois plus tard? Parce que l'Assemblée, en fait, siège seulement environ 3 mois par année. Donc, si on reporte dans 6 mois, bien forcément, la session parlementaire est terminée et donc tout est à recommencer l'année d'après. Et c'est quelque chose qu'on va voir souvent, si je comprends bien. Oui, en fait, à chaque année ou presque, Le projet de loi sur le vote des femmes va être reporté dans 6 mois, ce qui va amener à tout recommencer l'année suivante. Et qui sont ceux qui proposent que le droit de vote soit donné aux femmes entre 1930 et 1935? Ce sont des députés libéraux, donc qui vont recevoir un meilleur accueil que Tremblay. Les conservateurs vont voter, mais les discours vont tous être prononcés par des libéraux. Donc, de 1930 à 1935, la discussion est vraiment monopolisée par le Parti libéral. Les seuls conservateurs qui vont prendre part au débat, ce sont les députés montréalais anglophones qui sont d'accord avec le projet de loi, qui sont d'accord, dans le fond, que le Québec fasse comme les autres provinces canadiennes. Et quelle va être la position alors de Maurice Duplessis, qui est chef du Parti conservateur, et de Hortensius Béic, qui est un de ses fidèles lieutenants? Alors, Duplessis et Béic vont appuyer la proposition de Tremblay, que les femmes viennent s'exprimer. Et donc, ça va être répété à chaque année également. On devrait permettre à Thérèse Cassegrain et à ses collègues de venir parler à l'Assemblée. Par contre, ils ne prendront pas position pour ou contre le vote des femmes. Ils évitent complètement la question. Tout ce qu'on veut, c'est que les femmes puissent venir s'exprimer. Donc, on se présente en allié sans appuyer le principe. Et si, effectivement, les principaux ténors conservateurs se présentent en alliés sans appuyer le principe, qui vont être les principaux opposants à l'époque? Les principaux opposants, évidemment, on les retrouve principalement du côté libéral. Louis-Alexandre Taschereau lui-même est vraiment très opposé au projet de vote des femmes. En fait, Taschereau est opposé à
toutes les propositions qui viennent un peu améliorer ou changer la condition des femmes. Il va s'opposer également, par exemple, à ce qu'elles puissent devenir avocates. Et donc, Taschereau lui-même va chahuter ses députés libéraux quand ils font leur discours pour proposer le vote des femmes. Et par contre, on va voir Maurice Duplessis et Paul Sauvé qui vont les défendre. Donc, on voit des députés libéraux qui sont défendus par les conservateurs contre le chef du Parti libéral. C'est peut-être un peu ce qui explique au final que le droit de vote des femmes n'ait pas été accordé plus tôt. Entre 1920 et 1936, on a un premier ministre qui est farouchement contre. Oui, effectivement. Il laisse toujours le vote libre, ça, il faut le préciser, sur la question du vote des femmes. Alors, il ne va jamais imposer sa propre façon de penser, mais on peut effectivement penser qu'il y a plusieurs députés qui vont s'opposer à la proposition simplement pour voter comme leur chef. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé que vous observiez certains traits communs chez ceux qui parrainent les projets de loi, notamment l'âge, ils sont généralement plus jeunes, les anglophones sont beaucoup en faveur. Qu'en est-il de la frontière religieuse? Est-ce que on observe les catholiques contre les protestants ou est-ce qu'on observe anglophones contre francophones? Le francophone, anglophone, c'est plus facile de tracer la ligne parce que les anglophones sont tous en faveur du vote des femmes. Par contre, il n'y a pas de frontière religieuse parce que les anglophones, autant catholiques que protestants, vont appuyer le droit de vote aux femmes. Et on peut préciser aussi que les deux députés juifs à l'époque sont également des partisans du vote des femmes. Et ça nous ramène en 1936, les libéraux vont présenter un nouveau projet de loi pour le droit de vote des femmes. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Alors, un nouveau parti qui fait son entrée à l'Assemblée législative, c'est l'Action libérale nationale de Paul Gouin, qui va s'allier au Parti conservateur de Duplessis pour former l'Union nationale. C'est un député de l'Action libérale nationale, Frédéric Arthur Monk, qui va parrainer le projet de loi. Dans l'opposition, pour la première fois, on retrouve une majorité de députés en faveur du droit de vote des femmes. Entre autres, on retrouve William Tremblay, qui a cette fois-ci été élu comme conservateur. Et comme je disais, le discours n'a pas du tout changé. Les arguments sont les mêmes qu'auparavant, mais du côté au moins de Tremblay, on remarque que ça devient plus agressif qu'auparavant. Tremblay va comparer les femmes canadiennes françaises aux esclaves noirs américains qu'il a fallu parfois libérer contre leur gré. Donc, il va simplement dire à ses collègues qui prétendent que les femmes ne veulent pas voter que ce n'est pas un argument, même si ça pourrait être vrai. Du côté du gouvernement, le Parti libéral est toujours au pouvoir, mais il est sorti vraiment affaibli de l'élection de novembre 1935. C'est la première fois depuis 1897, donc depuis 38 ans, que le Parti libéral frôle la défaite. Sa majorité est réduite à 6 sièges. On a 48 libéraux contre 42 Union nationale. Donc, il y a des rumeurs qui courent concernant l'éventuelle démission du premier ministre et les libéraux veulent montrer qu'ils sont vraiment unis autour de leur chef. Ils vont montrer leur union en faisant front commun contre la proposition du vote des femmes. C'est ce qui fait qu'on va retrouver plusieurs libéraux qui ont parlé en faveur du vote des femmes auparavant, qui cette fois-ci vont s'y opposer. Entre autres, Edgar Rochette, qui était le parrain du projet de loi l'année d'avant, va voter contre. Et il le dit, il n'est pas question que j'encourage la perfide opposition en appuyant une de ses propositions. Il nous dit cette très belle formule, « Ce qui était désirable hier et qui le redeviendra peut-être demain, ne l'est pas forcément aujourd'hui. » Ouais. Bref, c'est ça, la ligne de parti, la protection des intérêts libéraux avant la protection des idéologies, puis du droit de vote des femmes. Oui, effectivement, et peut-être les intérêts personnels également, parce que Rochette a été nommé ministre par Taschereau il y a quelques mois. Et donc, évidemment, c'est gênant quand on est ministre de voter contre le premier ministre. Ouais. Et on connaît la suite des choses. La commission des comptes publics va pousser Taschereau dans les câbles. Il va démissionner. Adélard Godbout va prendre brièvement la suite des choses. Puis, en 1936, on a une élection de l'Union nationale. Et dès la prise de pouvoir de l'Union nationale, le sujet revient sur le tapis. Oui, effectivement, c'était un député de région cette fois-ci, M. Camille Pouillotte de Gaspé-Sud, qui
qui veut profiter d'un comité parlementaire sur la réforme de la loi électorale pour simplement supprimer les mots « de sexe masculin » de la description d'électeur. Donc, la discussion, quand même, va durer 2 jours, ce qui est remarquable. C'est vraiment la discussion la plus longue qu'il y a eu sur le vote des femmes. Et les députés sont nombreux à avoir des positions sur la question, autant pour que contre, mais Duplessis va finir par exiger le vote et la proposition est battue. Et en 1938, il va y avoir une nouvelle stratégie qui va être utilisée par ceux qui veulent donner le droit de vote aux femmes. Quelle est-elle? Et les députés aussi ont remarqué qu'il y avait une frontière entre les députés urbains et les députés ruraux sur la question du vote des femmes. Donc, ceux qui sont en faveur du vote des femmes vont tenter de faire en sorte que les députés ruraux ne puissent pas voter. La discussion sur le vote des femmes a lieu un jeudi après-midi. C'est la dernière séance de la semaine, ce qui signifie que les députés doivent retourner à leur domicile respectif et les députés ruraux doivent prendre le train pour rentrer chez eux. Donc, on éternise la discussion en espérant que les députés ruraux soient obligés de partir, ce qui les empêcherait de participer au vote. Malheureusement, Duplessis se rend compte de la stratégie et va exiger la tenue du vote pour permettre aux députés de ruraux de voter et la mesure est encore une fois battue. Et parmi ceux qui vont s'opposer à la mesure, on retrouve notre ami William Tremblay, là, celui qui disait qu'il fallait donner, là, qui est décrit comme un dangereux féministe, qui dit qu'il faut libérer les femmes, même c'est ça, là, si certaines ne le désirent pas, et il vote contre. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, pour la première fois, Duplessis va voter contre le vote des femmes. C'est la première fois qu'il s'oppose clairement à la mesure et il ne va même pas essayer de se justifier. Et donc, il y a beaucoup de députés de l'Union nationale qui vont voter contre, même s'ils ont voté pour auparavant. Il y a 7 députés, en fait, qui votaient pour avant et qui votent contre cette fois-ci, dont William Tremblay. Et oui, effectivement, c'est surprenant. William Tremblay, qui est effectivement très progressiste sur la question féminine, mais Duplessis l'a nommé ministre du Travail. Et voilà, bon, c'est comme avec Tremblay, c'est avec Rochette, par contre. C'est gênant quand on est ministre de voter contre le premier ministre. Et donc, de nouveau, la proposition est battue. Et Duplessis, bon, il se prononce contre cette fois-là, mais il va inviter les suffragettes à l'Assemblée législative en 1939. Pourquoi? C'est pas un peu paradoxal? Et en fait, Duplessis veut vraiment se prononcer comme, se présenter comme le contraire total de Louis-Alexandre Taschereau, même s'ils ont beaucoup en commun. Et donc, puisque Taschereau s'est toujours prononcé contre l'idée de faire venir les suffragettes à l'Assemblée, Duplessis croit vraiment accomplir quelque chose en leur permettant de venir s'exprimer. Au final, il va mettre un terme à la discussion, il va reporter le débat sur le vote des femmes à une date indéterminée. Donc, il n'est pas du tout déterminé à faire avancer la cause. Mais il a permis à Thérèse Cangrand de venir parler et ça, selon lui, c'est la preuve qu'il est vraiment dévoué aux intérêts des femmes de la province. Ouais, donc on leur donne le droit de parole, mais on leur donne pas le droit de vote pour autant. Et à cette époque-là, on va voir que, encore une fois, bon, on peut revirer notre capot parce que les femmes qui vont venir à l'Assemblée législative vont disposer du soutien de libéraux convaincus, si je comprends bien. Oui, effectivement, parce que faut préciser qu'en 1938, les libéraux vont ajouter le droit de vote des femmes à leur programme, beaucoup influencés par les grands frères d'Ottawa. Et puisque les députés libéraux québécois sont bien dociles, ils vont se mettre à défendre cette mesure, ils vont changer un peu leur propre position pour adopter celle qu'on leur a un peu imposée. Ouais, et donc les députés qui appuient Thérèse Cassegrain à ce moment-là, ben, elle a voté contre le droit de vote des femmes dans les années précédentes. Oui, effectivement, mais à ce point-là, on n'en est pas une contradiction près. Et si je peux me permettre, on pourrait faire peut-être une petite parenthèse sur l'ambiance au Parlement à l'époque, parce que bon, quand il est question de questions sur les droits des femmes, on peut voir que ça ne se passe pas toujours bien, notamment, bon, prenons par exemple les débats introduits par René Chaloux sur la modification du Code civil pour que les femmes mariées soient considérées comme des personnes majeures. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que, bon, ça brasse un peu, hein? Alors, Chaloux, à ce moment-là, est vraiment le porte-parole de Thérèse Cassegrain à l'Assemblée législative. Donc, c'est un projet de loi qui est quand même assez révolutionnaire, puisqu'il faut attendre 1964 pour que ce soit mis en place.
Donc, René Chaloux, c'est un député de l'Union nationale qui a quitté son parti après que Duplessis ait trahi ses promesses au lendemain de son élection. Et avec des collègues, il va fonder son propre parti, le Parti national. Et ça, Duplessis va très mal le prendre. Et donc, l'Union nationale se comporte de façon très agressive à l'endroit des députés du Parti national, beaucoup plus qu'envers les libéraux. Donc, quand Chaloux propose de modifier le Code civil, il va vraiment y avoir une coalition contre lui. À la seconde où il commence à parler, les députés de l'Union nationale se mettent à discuter entre eux, vraiment bruyamment. On fait des blagues, on rit très fort, tellement que les journalistes ont de la difficulté à entendre ce que dit Chaloux. Le seul qui l'écoute vraiment, c'est Auguste Boyer, dont le rôle est justement d'insulter les députés de l'opposition pendant qu'ils parlent, de les déconcentrer de toutes les manières possibles. Donc, Boyer interrompt constamment Chaloux, il fait rire ses collègues. Et même dans ses mémoires, Chaloux nous raconte qu'on lui lançait souvent des crayons et des carnets pendant qu'il faisait ses discours. C'était dangereux d'être dans l'opposition à l'époque. Donc, une fois que Chaloux a terminé son discours, que personne ne l'a entendu, même s'il y a des députés de l'opposition qui aimeraient pouvoir se prononcer, qui voudraient seconder Chaloux dans sa démarche, Auguste Boyer propose de passer immédiatement au vote. Donc, on met fin à la discussion. Tous les députés du gouvernement votent contre le projet de loi qui est battu sans qu'il y ait pu avoir vraiment d'échange. Et Duplessis et ses collègues sont très fiers d'eux. Ils se serrent la main. Ils sont fiers d'avoir montré à l'insignifiant d'en face que c'était eux qui dirigeaient. C'est pas tant qu'on soit opposé à l'amélioration du sort des femmes. C'est vraiment... c'est plus que c'est une préoccupation qui semble insignifiante comparativement aux luttes entre les partis politiques. Oui, c'est ça. Au final, jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que, bon, ben, Duplessis, il est pour quand ça la donne, puis il est contre quand ça la donne, puis ben, les libéraux... on voit qu'il y a certains, comme par exemple Pugsley, comme généralement Tremblay, qui, bon, sont pour, puis, ben, sont constants. Mais c'est ça, on voit qu'il y en a beaucoup que, bon, ben, ils le sont quand ça les arrange et ils le sont pas quand ça les arrange pas. Oui, effectivement. Il y a certainement la question de l'intérêt de parti, encore une fois. Et du côté de Duplessis, c'est la volonté vraiment de coaliser derrière lui tous les opposants au Parti libéral. Ce n'est pas un hasard si Duplessis devient officiellement contre le vote des femmes l'année où le Parti libéral ajoute le vote des femmes à son programme. Tant qu'il y avait devant lui Taschereau qui était contre, Duplessis tentait de faire croire qu'il était pour sans l'être vraiment. Quand les libéraux deviennent pour, là, il devient contre. Et c'est assez intéressant, après la Deuxième Guerre mondiale, après que le vote des femmes ait été adopté, Duplessis va dire qu'il a toujours été pour. Ouais, c'est facile de réécrire l'histoire. Tout à fait. Et donc, tout à l'heure, vous nous disiez que les libéraux ont adopté une position en faveur du droit de vote des femmes. Précisons-le, principalement grâce au militantisme de Thérèse Cassegrain, qui a compris qu'elle avait tout intérêt à le faire inscrire dans le programme pour que ça soit adopté si les libéraux reprennent le pouvoir. Comment est-ce que les libéraux vont s'expliquer ce changement de cap, notamment Alexis Caron qui a des propos très éclairants sur la question? Oui, bien, M. Caron qui va justement devoir expliquer le fait qu'il appuie désormais le vote des femmes alors qu'il s'y est opposé les années d'avant. Il va nous dire « En 1936, alors que j'étais député, j'ai voté contre le suffrage féminin, croyant que la majorité des femmes n'en voulait pas. Il m'apparaît que depuis, leur sentiment a changé. » Donc, évidemment, ce ne sont pas les libéraux qui ont changé d'avis, ce sont les femmes dont la position a évolué là, au cours des dernières années. Entre 1936 et 1939, il y a quelque chose qui se passe dans les femmes au Québec. Là, soudainement, elles veulent le droit de vote, alors qu'avant, elles y étaient complètement opposées. Laurent Barré avait demandé à sa femme, puis elle lui avait dit qu'elle ne le voulait pas. Oui, puis si Mme Barré est contre, je pense pas qu'il y ait besoin d'aller plus loin. Effectivement. Et donc, Adélard Godbout, qui est devenu chef, va respecter la promesse qui a été faite dans son programme, même s'il s'était opposé à de nombreuses reprises au droit de vote des femmes, et va amener le débat à l'Assemblée législative dès sa prise de pouvoir en 1939. Effectivement, une fois n'est pas coutume, il y a un politicien qui va tenir sa promesse. Et donc, ça va être une des premières propositions qu'il va apporter à l'Assemblée législative en 1940. Et cette fois-ci, l'Église va s'en mêler. Parce qu'il faut préciser que l'Église ne s'est jamais mêlée des débats sur le vote des femmes
La dernière fois, c'est en 1928 qu'un évêque s'était prononcé vraiment contre le vote des femmes. Mais en 1940, évidemment, c'est différent parce que cette fois-ci, c'est le premier ministre lui-même qui propose d'accorder le droit de vote aux femmes. Et donc, deux semaines après le discours du trône, donc le 4 mars 1940, on a le cardinal Rodrigue Villeneuve, qui est l'archevêque de Québec, qui va publier un communiqué où il exprime sa position sur le vote des femmes. Maurice Duplessis, qui est à nouveau chef d'opposition, va évidemment sauter sur l'occasion. Il va brandir le communiqué du cardinal au nez du premier ministre en lui demandant s'il a vraiment l'intention de défier la volonté de son père spirituel. Godbout va répondre simplement qu'il a l'intention de tenir sa promesse. Il va écrire au cardinal Villeneuve pour lui faire part vraiment du choc qu'il a eu en voyant son communiqué qui le désavouait en quelque sorte publiquement. Mais le cardinal va lui répondre qu'il devait vraiment exprimer sa propre position sur le sujet pour éviter qu'on lui en invente. Mais il va assurer le premier ministre qu'il n'a pas l'intention de lui faire de problème, qu'il est tout à fait confiant dans son esprit chrétien. Et même le cardinal va rappeler à l'ordre certains de ses prêtres qui font campagne contre le gouvernement, contre la position du gouvernement à ce moment-là. Donc, on a une position beaucoup plus nuancée qu'on pouvait le penser. Ce qu'on dit souvent, c'est que bon, le cardinal Villeneuve était opposé, puis qu'Adélard Godbout a été donné un ultimatum à Villeneuve en lui disant si vous m'empêchez de passer le droit de vote des femmes, je vais mettre un anticlérical comme Thédée Bouchard à ma place. Foutaise. Tout à fait. En fait, ça, c'est le téléphone arabe, vraiment. En fait, c'est de mémoire Thérèse Casgrain qui va le raconter, qui va raconter cette histoire-là une trentaine d'années après les faits, donc dans les années 70, dans une entrevue avec Jean-Guy Genet. Et ça va vraiment passer comme la version officielle des faits. Alors que, en réalité, ce qui est arrivé, c'est que c'est effectivement arrivé que Godbout menace de démissionner en faveur de Thédée Bouchard, un anticlérical bien connu. Mais ce n'était pas dans la question du droit de vote des femmes, c'était dans un débat sur les cours d'anglais à l'école. Donc, Pas la même chose pantoute. Pas du tout. C'est l'évêque de Sherbrooke, en fait, là, qui avait une opposition vraiment très, très agressive envers la proposition des libéraux de renforcer l'enseignement de l'anglais à l'école. Et Godbout va finir par perdre patience et va menacer le cardinal de démissionner en faveur de Bouchard, ce qui va amener le cardinal à demander à Mgr Desranleau, l'évêque de Sherbrooke, de nuancer son discours. Donc, il y a de la vérité dans l'histoire, mais les souvenirs ont été visiblement un peu déformés et ça nous a amené à accepter pour réalité un échange qui finalement n'a jamais eu lieu. Et là, cette fois-ci, donc, le vote se passe. Quels vont être les arguments des unionistes et comment vont certains d'entre eux qui sont prononcés en faveur du droit de vote des femmes vont-ils se défendre d'un changement de cap cette fois-ci? Finalement, les arguments évoluent un peu puisque les opposants au vote des femmes, on n'est plus vraiment dans les arguments de fond. Là. On est vraiment dans un discours sur la forme. On va évidemment souligner le fait que Godbout se contredit puisque lui-même a voté 7 fois contre le vote des femmes les années précédentes et que c'est lui désormais qui le propose. Mais Godbout va expliquer que ce n'est pas lui qui a changé, c'est la population qui a évolué. Toujours ça. Évidemment. Paul Sauvé, lui, va critiquer le fait que ça va augmenter le coût des élections alors qu'on est en période de crise économique, donc ce n'est pas le moment de faire des folles dépenses comme celle-là. Et Roméo Lorrain, qui est un des députés de l'Union nationale, qui lui va souligner encore une fois l'incohérence du premier ministre, Godbout va lui faire remarquer que lui-même, Lorrain, s'est déjà prononcé pour le vote des femmes auparavant. Et Lorrain va répondre comme Godbout que ce n'est pas lui qui a changé d'avis, c'est la population de son comté qui était pauvre auparavant et qui ne l'est plus. La population. Parce qu'il faut préciser aussi qu'il y a un mouvement de femmes contre le vote des femmes en 1940. Les cercles de fermières de la province vont être nombreux à prendre position contre le vote des femmes. Et au final, ça va passer à l'Assemblée législative et ça va se ramasser au Conseil législatif. Est-ce que ça passe comme une lettre à la poste? Oui, parce qu'en fait, les libéraux sont toujours majoritaires au Conseil. Ils vont voter tous pour, à une exception,
M. Ménéric Martin, ancien maire de Montréal, le doyen du conseil avec 82 ans, il faut préciser, qui va être le seul opposant au projet de loi. Et, anecdote, il y a des femmes qui assistent à la séance du conseil et en voyant le résultat du vote, en voyant que Ménéric Martin est le seul opposant au projet de loi, il y en a une qui va se permettre de lancer « Quand nous aurons le droit de vote, nous allons limiter l'âge des conseillers. » Effectivement, et ben finalement, les conseillers ont même été abolis une vingtaine d'années plus tard. Et donc, bien fait pour Médéric Martin qui s'était prononcé contre et qui a eu la vindicte des femmes libérales. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand même assez surprenant, une évolution assez soudaine. On n'a jamais dépassé les 25 députés sur un petit peu moins qu'une centaine au total qui est en faveur. Et soudainement, du jour au lendemain, on passe à 60 députés en faveur, à 67 députés en faveur. Donc, il y a vraiment un bond quand même assez important dans le nombre de députés en faveur du droit de vote des femmes. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est vraiment la partisanerie? Est-ce que c'est vraiment le fait que Thérèse Cassegrain ait réussi à l'inscrire dans le programme des libéraux? Un changement d'opinion dans les comtés? Non, c'est vraiment... la partisanerie, oui. La grande différence avec ce projet de loi, c'est que cette fois-ci, c'est le premier ministre qui le propose. Donc, évidemment, c'est différent parce qu'auparavant, c'est toujours un député qui n'était souvent même pas ministre qui le proposait. Donc, c'était un débat libre, le vote était libre. Mais cette fois-ci, c'est le premier ministre. Et généralement, quand le premier ministre propose un projet de loi, le caucus suit, surtout qu'il s'est développé sous Duplessis une ligne de parti beaucoup plus stricte qu'auparavant, et ça autant à l'Union nationale qu'au Parti libéral. Donc, en 1940, il y a beaucoup moins de dissensions qu'auparavant au Parti libéral. Alors, quand le chef parle, on l'écoute. C'est ce qui fait que tout le caucus libéral va appuyer le vote des femmes. Du côté de l'Union nationale, il va y avoir seulement deux dissidents là, qui vont voter pour, alors que Duplessis et les autres votent contre. Et donc, en conclusion, si on ramène peut-être un petit peu tout ce dont on a parlé, pourquoi est-ce que le Québec a tant tardé à donner le droit de vote aux femmes, à votre avis? Alors, je pense que c'est clair qu'on ne peut pas résumer le retard du Québec par la religion et pas non plus par la misogynie ou le vieux conservatisme. Le conservatisme, oui, a joué un rôle, c'est certain, mais on le retrouve partout. Et ce n'est pas parce qu'un pays adopte le droit de vote des femmes que la misogynie disparaît du jour au lendemain. La différence au Québec par rapport aux autres provinces, c'est qu'ici, tout ce qu'on voit dans le vote des femmes, c'est le vote des femmes. On ne l'a pas associé à une cause particulière comme ça s'est fait dans les provinces des Prairies avec la Prohibition ou en Ontario puis au Canada avec l'effort de guerre. Ici, la seule cause à laquelle on peut associer le vote des femmes, c'est la lutte au communisme, ce qui ne semble pas avoir vraiment été mobilisateur pour nos députés. Ensuite, et ça, je pense que je l'ai très bien montré, c'est l'esprit de parti et la volonté d'avancement personnel. Les députés veulent montrer qu'ils ont la même position que leur chef, en espérant que ça puisse éventuellement les conduire à une situation de ministre, par exemple. Et ici, on a Taschereau, qui a été premier ministre du Québec pendant 16 ans, de 1920 à 1936, qui, lui, était violemment opposé au vote des femmes, beaucoup plus que Duplessis peut l'être. Donc, évidemment que ça a joué. Il y a une stabilité politique au Québec qu'on ne retrouve pas dans les autres provinces canadiennes. Donc, avec des chefs qui restent longtemps comme ça et qui ont des positions conservatrices, forcément que ça a joué dans le retard. Et est-ce que vous pouvez revenir peut-être un petit peu sur le cas de Duplessis, qui est quand même un personnage assez intéressant sur cette question-là, se prononçant tantôt pour, tantôt contre, tantôt en étant un petit peu ambigu, en amenant les femmes à parler à l'Assemblée législative, mais en s'opposant au final à ce qu'elles disent? Oui, bien, Duplessis, c'est intéressant. On a vraiment dit qu'il a tout fait pour empêcher les femmes de voter. C'est ce qu'on dit, entre autres... Thérèse Cassegrain et Madeleine Parent. Mais en réalité, pour Duplessis, le vote des femmes, ça n'a jamais été une question importante. Mon impression, pour avoir beaucoup lu ces interventions, c'est que Duplessis tentait de se faire vraiment le porte-parole de la majorité de la population et aussi de tous les opposants au Parti libéral.
Ça se voit en particulier en 36, quand il y a dans son caucus une majorité de députés qui sont pour, mais en même temps, beaucoup de vieux conservateurs qui sont contre. Et là, Duplessis se prononce pour le vote des femmes, mais en même temps, s'abstient au moment du vote en disant « on est pour, mais ce n'est pas le moment. Il faut épurer les mœurs politiques, les mœurs électorales avant d'amener les femmes. » Donc, la position change beaucoup et on voit que Duplessis patine beaucoup là, pour exprimer, pour justifier ses volte-face. Ouais, yeah. Au final, ben, il cherche davantage à s'opposer au Parti libéral, puis il cherche davantage à se distinguer du Parti libéral pour se faire élire qu'à être pour ou contre le droit de vote des femmes. Exactement. La preuve, c'est qu'une fois que le vote des femmes est adopté, ben, il ne le remettra jamais en question. Au contraire, il va en profiter, puisque les femmes vont voter majoritairement pour l'Union nationale aux élections de 1944. Et donc, au final aussi, un autre élément sur lequel je pense qu'on pourrait revenir, c'est que c'est facile de blâmer l'Église, alors que dans les faits, Benoît XV s'est montré en faveur, le cardinal Villeneuve, effectivement, a écrit une lettre mentionnant des réserves, mais qu'il a tout fait de rassurer Godbout et de lui mentionner que c'était une position personnelle et qu'il ne comptait pas l'empêcher du tout. Puis aussi de rappeler que ce n'est pas un argument qui est amené tant que ça à l'Assemblée législative, l'argument religieux. Non, effectivement, c'est employé de façon un peu maladroite, puisque justement, on oublie de mentionner que le pape lui-même approuve le vote des femmes. Donc, si on cherche vraiment une explication qui distingue le Québec des autres provinces, on doit le chercher beaucoup plus dans le phénomène de l'esprit de parti, la tendance à prendre position sur des enjeux cruciaux en se basant sur l'intérêt du parti ou sur la position du chef plutôt que sur l'intérêt de la population. Je crois que j'ai bien démontré comment c'était présent dans les années 30 et on n'a qu'à lire les journaux aujourd'hui pour se convaincre que c'est encore bien présent. Et donc, un grand merci Alexandre Dumas pour cette conférence très éclairante qui nous a permis de voir un petit peu les dessous des débats sur les droits de vote des femmes. Et encore une fois, au nom des sociétés historiques de Québec, de Montréal et des éditions du Septentrion, on vous remercie pour cet entretien très éclair. C'est à vous.